Une deuxième fois pour aller cette soirée, en tout cas française. Une première fois pour nos amis et la dame. Donc voilà, match opposant les joueurs des NL eSport aux joueurs des Knights. Donc voilà, retour un peu de ces deux équipes qu'on a. Pour ma part, les joueurs des NL, j'ai eu l'occasion de les découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. C'était environ il y a 3-4 jours. C'était dans un show match où ils avaient complètement annihilé les joueurs des Hawks et j'avais découvert aussi ce même soirée les joueurs des Knights qui étaient une très 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 belle équipe et qui avaient fait énormément de très très bons résultats et donc du coup hâte de voir en tout cas comment ils vont pouvoir se débrouiller ces deux équipes sur ce match. Alors bougez pas, je regarde le retour de stream si tout est ok au passage. N'hésitez pas au passage à partager le stream pour voir ces deux équipes évoluer. Alors, je ne vous montre pas la première carte pour la simple et bonne raison. Ils sont en train de faire un test d'host pour vérifier tout ceci et pour éviter tout problème intempestif in-game. Donc, n'hésitez pas à partager le stream sur les réseaux sociaux. Et aussi, encouragez bien sûr votre équipe préférée, que ce soit les joueurs des NL ou les joueurs des Knights. Donc, n'hésitez pas à partager en masse, les amis, ça fait toujours plaisir. Alors j'ai envoyé quelques messages en tout cas pour essayer de pub un peu le match. Alors tac. J'envoie tout ceci, ne vous en faites pas. Un fumette, ok. Il n'y a pas de problème. J'envoie juste quand même un petit message au passage, ça fait toujours plaisir. Encouragez votre équipe préférée, que ce soit d'un côté les joueurs des NL ou les joueurs des Knights. Ces deux équipes ce soir vont s'affronter dans un best of 5. Encore une fois, donc c'est un show match, un match exhibition avec en première carte un point stratégique sur Arsenal, seconde carte une recherche et destruction sur Frequency. Un contrôle sur Seaside peut permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes soit d'en terminer ou de prendre l'avantage dans ce match. Donc à ce moment-là, on aura un score de 2-1 ou un 3-0. Et par la suite, deux cartes supplémentaires sont mises à notre disposition avec un point stratégique sur Gridlock, mais aussi une recherche et destruction sur Payload. Alors, pour le moment, on vous a annoncé quelques petites choses sur les réseaux sociaux pour certaines personnes qui n'étaient pas en notre présence. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat, ça ferait un énorme plaisir. On sait que vous êtes toujours très très nombreux à venir voir cette communauté LATAM, on va dire ces matchs sud-américains se jouer. Et surtout aux alentours de ces heures-là, on arrive à peu près, il est 1h du matin pour nous en France. Donc là-bas en Amérique du Sud, il est environ, si je dis pas de bêtises, il est 20h. Donc voilà, les gens finissent de manger, tout le monde sort de table et du coup on passe sur le stream aux live. Donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc du coup voilà. On parle un peu avec le community manager des Kazakhs. Du coup qu'on reverra peut-être demain soir. On ne dit pas plus d'informations sur les matchs qui vont arriver. Donc attention mesdames et messieurs, il va y avoir du très très lourd ce soir dans ce match. Encouragez votre équipe préférée si vous êtes plus pour les joueurs des NL eSport ou Knight. Faites du bruit pour votre équipe préférée ce soir. On rappelle aussi, on tente le Twitch Partner. Donc on vous a annoncé également, je vais vous mettre la petite commande sur le stream, le petit point d'exclamation Samba. Et donc du coup, on vous annonce 200 viewers for the Samba after the stream. Donc voilà, c'est le petit message en anglais que je vous ai mis. Alors, pour ma part, c'est go, on me dit go. Yes, y a aucun souci en tout cas. Merci à toi aussi au passage pour le follow, mon cher Mathias. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques petits follow, quelques petites interactions sur le stream. NL contre Knight, ça va démarrer dans quelques instants et on démarrera donc sur un point stratégique. Arsenal, Perro, Noatiende, Do, Caro. Alors, Perro, Noatiende, Caro. Un castor espagnol, non. Non, je suis pas castor espagnol déjà. Alors, tac 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 tac. Optez-moi un castor espagnol. Ah, désolé, non. C'est casté en français. Désolé. C'est casté en français, ne t'en fais pas, tout ceci va faire la différence.
Je comprends rien. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et du coup, on va choisir le choix des spécialistes. Voix des spécialistes à présent réalisée entre ces deux équipes. NL eSport sur votre gauche et les joueurs des Knights sur votre droite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite dans ce point stratégique. Les joueurs des NL sur votre gauche avec Fizine, Hustler, Ninja, Idu et Vince. Et sur votre droite, les joueurs des Knights avec Mordor, Lucho, Rémi, Sweets et Revax. Et les premiers duels hein, d'entrée de jeu avec Rémi qui fait la différence, le moins 4 réalisé par cette équipe des NL qui démarre tambour battant avec un gros travail de la part de Fizine. Fizine pour le moment bien en place hein, qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers. On permet en tout cas de scorer ses premiers points. Timing pour Ninja, le Ninja peut-être double kill, non, il va être tout de suite épaulé de la part de Idu. Lucho qui viendra prendre le meilleur sur le Rémi, là, tout de suite l'assister. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Knights pour le moment. On a réussi à break ce point et là on va se concentrer sur la rotation qui va avoir lieu à présent au niveau de ce P2, peut-être pour aller chercher l'adversaire. C'est bien joué de la part de Rémi qui s'est mis en place en termes de slaying très très haut sur la carte. Il va jouer un peu le rôle d'électron libre pour cette équipe des Knights et pour le moment ça se fonctionne plutôt bien côté des joueurs des Knights face à leurs adversaires des NL. On le rappelle, les joueurs des NL c'est une équipe qui fait partie concrètement du top 3 sud-américain. Les joueurs des Knights, une très très belle découverte hein, qui avait fait la différence hein, dans le premier show match. On essaie de garder un peu ces mêmes équipes chaque soir et pour le moment les joueurs de cette équipe des Knights qui font la différence. On va essayer de mettre de l'agressivité à présent du côté de Idu et qui a réalisé un très bon bloc. Il est Idu. Et ses coéquipiers sont en train d'agresser du côté des joueurs des NL. Idu qui s'est mise à l'ouvrage pour le moment et qui permet à lui et ses coéquipiers de se mettre en place du côté de cette équipe des NL. On va essayer de faire la différence, mais à présent les joueurs des Knights ont bien compris qu'il fallait break ce point pour garder l'avance qu'ils avaient considérablement pris au niveau de ce P1. Là ils sont en train d'aggraver tout ceci et préparation de la rotation au niveau de ce P3 peut-être pour se mettre en place à présent. La rotation au niveau de ce P3 est en train de se négocier. Bon, le moins 1 réalisé par Sweet, c'est directement trade par Idu. On s'est mis en place du côté de Revax. Oh my god, Rémi qui va venir enchaîner et aller chercher le kill sur son adversaire directement. C'est Hustler qui prendra le meilleur sur Lucho. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Knights sont en train de faire la différence face à leurs adversaires qui ne savent plus à quel sein se vouer. Il va falloir mettre de l'agressivité au niveau de ce front et c'est bien réalisé du côté de Edu et de ses partenaires. On est en train d'enchaîner à présent. On est en train d'enchaîner du côté de cette équipe des NL, se positionnant rapidement, leur permettant de faire clairement la différence face à leurs adversaires. On est en train avec Ninja et ses partenaires d'agresser l'adversaire et de se mettre en place. Lucho qui va réaliser un triple kill de la part de Lucho. Encore une fois monstrueux dans cette game. Lucho qui a démarré très très vite. S'est mis à l'ouvrage très rapidement pour cette équipe d'Ignite. Pour le moment, un écart d'une vingtaine de points entre ces deux équipes à l'avantage de cette équipe d'Ignite. Les joueurs des Knights hein, qui sont en train de s'emparer de ces last points et à présent la rotation est en train de se négocier au niveau de ce P4. Ce P4 qui est très conflictuel, hein, très compliqué à manœuvrer. On va arriver au niveau du back du côté de Eidu. Le travail a été fait du côté de Sweet et de Rémi. On va mettre ce système Trophy Mordor qui va réussir à prendre le kill sur son adversaire. On se positionne bien du côté de Mordor et de ses partenaires, peut-être pour faire la différence et pour pouvoir enchaîner. Côté des joueurs des Knights, on est toujours en train de scorer. On va essayer de prendre du contest hein, sur le côté droit de la carte du côté des joueurs DNL pour le moment qui sont en difficulté dans ce point stratégique qui n'arrivent pas à break ce point face à leurs adversaires des Knights. Les joueurs des Knights ont bien décidé de montrer de quoi ils étaient capables pour faire la différence face à leurs adversaires DNL et pour le moment ça se complique. On va mettre ce petit batterie, voilà la batterie qui peut faire énormément de dégâts, on sait pertinemment. Et malheureusement, ça ne fera pas kill du côté de Rémi. On va pouvoir enchaîner du côté de Ninja et de ses partenaires pour peut-être break ce point. On va s'emparer des last secondes du côté de cette équipe des NL. On va se concentrer à présent sur la rotation qui est en train de se négocier au niveau de ce P5 entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage en faveur des Knights qui mènent la danse de un peu plus de 60 points et qui ont déjà la rotation en leur possession. Rotation est toujours bien manœuvrée du côté des joueurs des Knights. On est toujours très très agressif et on se montre encore une fois très très solide, très lucide. On va dire du côté des Knights, on voit encore une fois le travail de la part de Lucho. Lucho, le double kill. Lucho qui viendra faire la différence, qui est en train de faire une game parfaite en compagnie de Rémi, qui fait un énorme travail. On se rappelle hein, que Faxes n'étant pas là ce soir, il est remplacé par Sweets du côté de cette line-up des Knights et Mordor aussi n'était pas présent
au premier match. Et là pour le moment c'est Rémi qui va faire un gros travail au niveau de ce spawn. Il va être tout de suite épaulé de la part de Squid. On va venir l'épauler et aller chercher le trade. C'est plutôt bien joué sur les duos. On va essayer de mettre quelques balles sur ce point du côté de Squid. Le double kill, ça ne fonctionnera pas sur le moins 3. C'est Hustler qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. Et les joueurs de cette équipe DNL qui sont en train de s'emparer de ces last points, des points poubelles comme on les appelle dans le jargon. Et là on va essayer de se concentrer à présent sur une nouvelle rotation au niveau de ce bien. Les joueurs DNL qui accusent un retard de plus de 70 points face à leurs adversaires des Knights. Et maintenant il va falloir agresser Rayvax qui va essayer de mettre du contest sur ce point. Je pense qu'il va tomber finalement sous les balles de Hustler. Le travail de la part de Ninja, Rémi arrivera tout de même à prendre un pic. Est-ce que ça va suffire ce pic réalisé par Rémi? La grenade peut-être pour faire tomber un adversaire. Le shoot radical de la part de Rémi face à l'air de Hustler pour faire la différence et se positionner à présent sur ce point. Il va falloir être solide du côté de cette équipe DNL. Mais pour le moment on est en train de lâcher petit à petit face à l'impulsion proposée par cette équipe des Knights. Les joueurs des Knights encore une fois se montre rapide, efficace et font la différence pour le moment face à leurs adversaires. Gros travail de la part de Edu et de Ninja. Ils sont en train d'agresser, de se positionner rapidement, mise à l'ouvrage les joueurs des Knights. Et on est en train de scorer du côté des joueurs des NL. On va essayer de se concentrer, peut-être aller chercher une rotation. La rotation qui va avoir lieu à présent au niveau de ce P2. P2 deuxième rotation. On le sait pertinemment du côté de Vince et de ses coéquipiers. Ça va venir au niveau de spawn. Gros travail de la part de Vince. C'est le premier qui est pris par le joueur de cette équipe DNL. Les joueurs DNL qui semblent avoir retrouvé un second souffle à présent face à leurs adversaires des Knights, qui semblent à quelque peu accuser de Vince, qui va mettre de l'agressivité. Le soutien rapidement consolider ce spawn du côté des joueurs de cette équipe DNL. Et on est en train petit à petit de faire la différence du côté des joueurs DNL. On va essayer de mettre de la pression rapidement sur leurs adversaires. Mais attention, Vince qui prendra un kill important. Lucho toujours à la ligne, toujours bien en place. Lucho avec son AR tourelle, hein, son AR ICR tourelle. Il va essayer de mettre rapidement du contest sur ce point. C'est plutôt bien joué de la part de Lucho. Il va prendre le premier kill. On a laissé filer cette stun sur ce point. Ça risque d'être compliqué pour Lucho. Il va tomber directement acculé par FaZe et ses coéquipiers. Les SMG de cette équipe DNL semblent avoir repris du poil de la bête pour revenir face à leurs adversaires. Revenir face à leurs adversaires des Knights. Un écart qui se réduit petit à petit. Et on risque d'avoir quasiment 15 points. Allez, entre 10 et 20 points d'écart entre ces deux équipes à la fin de cette rotation P2. Il va falloir aller chercher cette rotation P3. Mais pour le moment, les joueurs des Knights sont bien en place. Ils se montrent très prudents et arrivent rapidement à faire l'adversaire face à leurs adversaires. Et attention, attention, ça se complique. On a sorti les Keystricts, les spécialistes pardon, du côté de Fizine et de ses partenaires. Le Tempest a été de sortie pour faire un travail de ligne, bien sûr, et empêcher ces joueurs adverses, ces joueurs des Knights d'arriver trop rapidement. Rémi qui a pris le premier kill. On sait qu'il va falloir consolider ce lobby. Rémi, le second kill. Le travail et la réponse de Vince ne se fait guère attendre avec son Gravity Spike. On va essayer d'arriver au niveau de ce lobby. C'est très bien joué, on s'est bien accompagné. Et c'est continu du côté d'Elu et de ses partenaires. Et entre autres de Fizine qui avait sorti son Tempest. Et pour le moment on essaye de faire la différence. On arrive à faire la différence à présent. Les joueurs DNL prennent l'avantage pour la première fois dans cette carte. Et dans ce match, les opposants aux joueurs des Knights, il va falloir se montrer solide à présent sur cette rotation au niveau de ce P4. C'est déjà la deuxième rotation P4. Mais les joueurs DNL semblent avoir retrouvé complètement ce second souffle, à moins que Rémi ne calme tout de suite les ardeurs de ses adversaires. Lucho qui va faire le mauvais TK et tombera par la suite sous les balles de Ninja. On va essayer en tout cas d'aller break ce point pour le moment bien manœuvré du côté de cette équipe DNL. Il me semble qu'on a un problème technique du côté de Ninja à présent. Problème technique du côté de ces Ninja. Aïe 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 aïe. Et du coup les joueurs de cette équipe DNL sont toujours bien en place. On va être agressé, attention le batterie a été sorti par Rémi. On va sûrement devoir finir à 4 cette carte en tout cas du côté des joueurs DNL. Ça se complique, c'est dommage. Order qui va faire la différence avec un très très bon double kill encore une fois. Les joueurs de cette équipe des Knights, hein, qui semblent avoir retrouvé un second souffle. Aïe, c'est dommage. C'est dommage cette déco, hein, de la part de Ninja. Ah, les joueurs, hein, des Knights qui se rattrapent petit à petit et qui enchaînent les kills à présent. On va prendre les kills cette fois au niveau de ce spawn, au niveau de cette rotation du côté des joueurs des Knights. Et on va stopper la carte. On va avoir peut-être quelques informations supplémentaires. Quelques informations supplémentaires pour ce match. Aïe 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 aïe, ça se complique. Alors je sais pas comment ça va pouvoir se passer. Je
d'avoir quelques informations au niveau des équipes, au niveau des joueurs, ne vous en faites pas. Je vais avoir quelques informations, ne vous en faites pas. Alors, on va back tout de suite. Et on va essayer d'avoir les informations sur directement avec les deux équipes. Alors, on va attendre peut-être le retour de notre cher camarade qui avait bugué. Notre cher camarade qui avait bugué. Va-t-il réussir à revenir? Va-t-il réussir à revenir? On va avoir quelques infos dans quelques minutes. Ne vous en faites pas. Alors, tac, 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 tac. Alors, je vais juste vérifier la petite traduction. Je vais vous mentir. Tac. Nous redémarrons la carte. Ok. Voilà, c'est un arrangement entre les deux équipes aussi. Ils vous restartent la carte pour bien sûr être assez équilibré entre les deux équipes et pas avoir de problème intempestif que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ne vous en faites pas, ça va redémarrer. Il y avait quasiment une égalité. Donc je pense que pour le spectacle, ça pourrait être beaucoup plus intéressant de redémarrer cette carte. Et voir qui peut l'emporter, bien sûr, à la loyale. À la loyale. Je sais pas ce que vous en pensez vous sur le stream, mais pour le moment, on a l'air d'avoir du très lourd entre ces deux équipes, NL contre Knight. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Donc alors, je vais mettre un petit message. Mettre un petit message. Hop là. Pour qui vous êtes sur le stream, en tout cas sur le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit message, ça fait toujours plaisir d'encourager votre équipe préférée. Ça va arriver, ne vous en faites pas, on va restart. Alors, pour revenir aussi, alors je vais vous mettre une petite pub en attendant, 2 petites secondes. Petit message publicitaire et les deux équipes vont revenir pour relancer ce point stratégique. On va relancer bien sûr ce point stratégique à présent entre les joueurs des NL Esports ou les joueurs des Knights. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, bien sûr, pour voir ce résultat et ce gros match entre ces deux équipes. Et on va lancer à présent ce match. On le rappelle, hein, du côté brésilien, il est sur la scène sud-américaine. Il est environ, si je dis pas de bêtises, il serait donc 20h. Ouais, il est bien 20h. Knight, j'aime bien, nous dit The Pain. Du coup, voilà, on va relancer la carte à présent. Voilà. Voilà, nous revoici pour ce match. Les joueurs des NL toujours sur votre gauche. On va restart donc ce point stratégique. Les joueurs des Knight, hein, outsider dans ce match. Je pense même à ne pas les sous-estimer, ces joueurs des Knight. Ils avaient prouvé, hein, ils avaient très très bien démarré avec Rémi, encore une fois, qui fait un très très bon start avec un double kill, bien accompagné de Rayvax, le moins 3. Et on se met en place pour scorer ses premiers points du côté de cette équipe des Knight. C'est du bis repetitas. On continue sur la même dynamique de jeu, hein, du côté de cette équipe des Knight. On va essayer de rapidement se mettre à l'ouvrage avec Mordor. On va essayer de se concentrer aussi sur la rotation. La rotation est importante au niveau de ce P2. Il faut rapidement aller s'emparer des spawns. Ne pas oublier que la rotation se fait en général une vingtaine de secondes. Elle est un peu tardive du côté des joueurs des NL. Donc on va essayer de gratter quelques points poubelles, d'essayer de mettre un peu de contest sur ce point. Ce qui ne fonctionne pas pour le moment, Rémi est bien en place. On va essayer d'agresser encore une fois sur ce côté gauche. Et c'est Rémi qui va avoir le dernier mot face à Ninja. Et permettant à son équipe de s'emparer des 2-3 petites dernières secondes. Là, on a essayé de mettre du contest, hein, du côté d'Hostler. Ce contest, il peut faire très très mal. Et là, voilà, on sait qu'on est respawn très très loin du côté de cette équipe des NL. Et pour le moment, on se complique la tâche complètement du côté des joueurs des NL.
On n'arrive pas, clairement à aller chercher l'adversaire. Et Edu et ses coéquipiers sont en train d'essayer d'enchaîner au niveau de ce spawn. Gros travail proposé au niveau du spawn dans, pendant ces 20 premières secondes. Mais pour le moment, le point totalement l'avantage de cette équipe des Knights. Et du côté des joueurs des DNL, il faut rapidement faire la différence pour aller chercher l'adversaire. Voilà. Là on enchaîne quelques kills, on s'apprête peut-être à une trentaine de secondes du côté des joueurs DNL si les joueurs des Knights ne mettent pas de contest sur ce point et se concentrent particulièrement sur cette rotation au niveau du P3. Mais pour le moment on n'a pas décidé de le voir ainsi. Hoster qui va avoir un travail à faire ou Hoster va être tout de suite épaulé de la part de Edu. Et voilà, on n'a plus qu'un joueur, c'est... Non, on n'a plus de joueurs qui sont en train de partir sur ce P2. On est tous en train de partir au niveau de ce P3 du côté des joueurs de cette équipe d'Knights. Et attention, car voilà, on arrive très très vite. 12 points d'écart entre ces deux équipes pour le moment. Avantage Knights face à leurs adversaires DNL eSport. C'est aux joueurs DNL eSport qui semble avoir trouvé un. Essayer d'accélérer à chaque point, on va dire, et présente son équipe. Radical encore une fois proposé par Edu pour faire la différence. On est en train peut-être de mettre de la pression au niveau de ce lobby avec le premier kill pris par Hustler. Malheureusement ça ne suffira pas, il tombera sur les balles de Mordor. Et on est en train d'agresser au niveau de ce spawn à présent du côté de deux joueurs de cette équipe DNL. On vient d'avoir un coup de spawn 3 joueurs, on essaie de prendre Antonite, ces joueurs justement des Knights, mais pour le moment qui résiste plutôt bien avec un magnifique point 4 parfaitement négocié. Et là on va laisser filer sûrement ces last points. Essayer de pré-shoot peut-être au niveau de ce lobby. On n'arrive pas pour le moment à accéder au niveau du lobby du côté de cette équipe des Knights. Et ce sont les joueurs DNL qui se sont mis à la manœuvre et qui se sont mis en place à présent. On n'arrive pas pour le moment du côté de cette équipe DNL. On est largement derrière cette équipe des Knights qui a très très bien démarré. J'ai l'impression que c'est exactement le même scénario qu'on a pu voir lors du début de point, premier point stratégique avant le petit problème que nous a eu notre cher camarade Ninja. Voilà, on est en train de mettre un slay, la barre des feeds qui vire au rouge. Et c'est comme ça qu'il s'était revenu dans la partie des joueurs DNL. Mais pour le moment, les joueurs des Knights ne semblent pas avoir décidé que leurs adversaires devaient revenir. C'est à présent peut-être le punch sur Fizzin, mais le travail réalisé par Sweets hein, qui arrive au niveau de ce back. On le rappelle, Sweets qui remplace Fazex qui n'étant pas présent. Et les joueurs de cette équipe Knights ne le voient pas de cet œil, ils veulent s'enfuir. Attention, c'est de Sweets, hein, ne pas comprendre. C'est un gros travail d'accompagnement de la part de Sweets. On se suit bien, on s'accompagne bien pour le moment en équipe, on est bien en place. C'est de cette équipe Knights et on peut s'emparer de quelques points poubelles. Leur permettant d'avoir 60-70 points d'avance face à leurs adversaires des DNL eSports. Les joueurs DNL à présent qui sont en train de se concentrer sur la gestion du spawn, mais aussi la gestion de ce P5. Ce P5 qui peut leur apporter gros à cette équipe DNL. C'est de se charger du scoring, mais aussi du travail au niveau de la cafette. On sait pertinemment que ça vient au niveau du spawn, mais du côté de Ninja. De la part de Ninja qui va prendre le premier kill, mais directement c'est trade par Mordor qui est au niveau de ce spawn. Peut-être pour faire la différence du côté de cette équipe des Knights. Attention, les joueurs des Knights sont en train de voir le retour petit à petit de cette équipe DNL. Malheureusement, le punch qui ne passera pas du côté de Mordor. Lucho peut-être pour faire la différence. Non, il tombera encore une fois sous les balles de Edu. Rayback avec le double kill qui fait un gros travail avec Samadox. Hein, mais notre cher camarade de cette équipe des Knights, et on n'arrive pas encore une fois du côté de Rémi. On va essayer de mettre de la pression sur ce point, mais pour le moment, les joueurs de cette équipe DNL ont parfaitement négocié ce P5, ce qui leur permet de revenir dans ce point stratégique face à leurs adversaires des NL. Aïe aïe aïe, les NL qui ont laissé filer ces points poubelles pour se concentrer à présent sur cette nouvelle rotation. Et cette rotation au niveau du P1, elle est hyper importante, cette rotation P1. Il me semble qu'on a la window avec le joueur numéro 1, c'est Fizzin. Fizzin, il vient de perdre son armure. Le bon timing de Fizzin. Ah, malheureusement, il est pris en tenaille. Il va prendre l'information surtout à ses coéquipiers. Il va donner celle-ci à Ninja. Ninja qui va prendre le double kill au niveau de cette window. Il vale de l'or ce double kill. On va agresser bien sûr encore une fois du côté des duels. Et qui va avoir un duel et qui tombera sous le bal de Revax. Les balles, la partie ne s'est pas ouverte assez rapidement. On va essayer encore une fois de mettre de la pression. Le bon punch de la part de Hustler. Gros travail proposé par cette équipe DNL qui revient au score à présent. Les joueurs hein, DNL qui ont décidé de passer la 5ème à présent. De ligne de la part de Hustler qui ne fonctionnera pas et qui tombera sous les balles de Revax. Encore une fois, Revax qui est dans les bons coups de cette équipe des Knights qui s'empare de ce last point à présent. Les joueurs des NL eSports sont en train d'enchaîner à présent. Ils sont en train d'enchaîner. Le moins 3 est sorti du
côté de cette équipe d'Eknight à présent. Ouh là 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 là, les joueurs d'Eknight qui n'ont pas le point, mais qui sont en train de mettre un slay énorme à leurs adversaires. Il va arriver au niveau du haut et du côté de Fizine. On a attendu, on a pris le premier kill, peut-être le second. Ouh, gros travail de la part de Fizine. Gros travail, Revax et Morlor ont réussi à enchaîner Vizine pour le moins 3. Malheureusement, ça ne résistera pas. Il tombera sous les balles de Rémi. Rémi, encore une fois, pour le double kill. Rémi qui est dans tous les bons coups également du côté de cette équipe d'Eknight. Le point stratégique est en train de s'équilibrer entre ces deux équipes. Avantage, peut-être que les joueurs de cette équipe d'Eknight vont réussir à revenir au contact et même de passer en tête. À présent, les joueurs d'Eknight, on va essayer de se concentrer peut-être sur une rotation P3 du côté de cette équipe DNL. On va agresser ce top du côté de Sweets. Peut-être un peu trop. Il tombera sous les balles de Hustler. On va pouvoir peut-être s'emparer. Voilà, oui, c'est vrai, on va se comparer des last points du côté de cette équipe DNL. Rémi qui a pris un double kill en sling, en tout cas empêchant ses joueurs des DNL de préparer cette rotation, et c'est plutôt bien joué de sa part, de la part de Rémi. Rémi qui est en train d'attendre et de bloquer le lobby sur ses adversaires. On bloque la rotation bien sûr et le spawn du côté de Revax. Et là on va avoir un énorme travail à faire du côté de Murder, du côté de Lucho en duel longue distance, mais aussi du côté de Sweets. Sweets qui va avoir une influence capitale au niveau de ce spawn et qui va devoir bloquer ce spawn pour justement empêcher que ces joueurs des NL n'arrivent trop rapidement. Voilà, il va éviter, il va prendre le kill streak, mais voilà, il va éviter un double kill. C'est plutôt bien joué de cette équipe d'Eknight, mais qui ne score pas énormément pour le moment, qui a pris quelques points d'avance face à leurs adversaires, un peu la poudre d'escampette comme dirait l'autre. Et on est en train d'enchaîner à présent, et on va essayer d'agresser encore une fois du côté de Lucho et de ses partenaires, les joueurs d'Eknight qui semblent avoir trouvé une bonne dynamique de jeu, tandis qu'on peut le voir sur la mini-carte, que les joueurs de cette équipe DNL se sont concentrés pour la rotation au niveau de ce P5, avec le joueur numéro 4 qui va avoir un duel dans 10 secondes. Voilà, c'est lui qui va prendre le meilleur sur Murder, le moins 3, la rotation a été clean du côté de cette équipe DNL qui va se charger pourtant de prendre les premiers points sur ce P4, à moins que peut-être on arrive à faire un kill du côté de Lucho. On s'était caché, mais la stick n'a pas fonctionné, on est tombé sous les balles de Fizine. On va mettre peut-être un peu de pression au niveau de ce top du côté de cette équipe avec Rémi. Rémi qui va qu'il pourra rien faire. Malheureusement, on était électrocuté par le Tempest. On respawn très très loin du côté de cette équipe d'Eknight. Les joueurs justement de cette équipe des NL qui sont en train d'agresser et de se positionner bien sûr pour repousser tous les assauts incessants proposés par cette équipe d'Eknight. À présent, on va essayer de rapidement se mettre à l'ouvrage avec le Gravity Spike de Murder. Oh, le mauvais TK de la part de Lucho, il va tout de même réussir à prendre le kill sur son adversaire. Fizine qui ne pourra rien faire cette fois, c'est Lucho qui arrivera à faire tomber Lucho à la ligne. Ça ne fonctionnera pas face à Fizine une seconde fois. Fizine pour le double kill et en tout cas pour consolider ce P4, c'est le point poubelle. Ils valent de l'or du côté de Fizine. Et les joueurs d'Eknight, les joueurs d'Eknight qui ont repris quelques points de retard. Mais attention, attention, il va falloir se concentrer pour cette rotation. On va arriver très très vite. Hustler qui a bien compris que c'était hyper important, le moins 2 réalisé par Rémi. On va mettre de la pression à présent avec Rémi, encore une fois, qui est pour le moins 3. Lucho qui va venir tout de suite accompagner. Le moins 4 est réalisé du côté de cette équipe d'Eknight qui revient au contact de ses adversaires. Attention, ce P5 est en train de me faire devenir complètement fou. C'est un point stratégique de folie. On a sorti bien sûr la pulsion visuelle du côté de Lucho, le travail de la part de Lucho qui va prendre un kill. On est tombé du côté de ses coéquipiers, mais Lucho encore une fois avec un troisième kill réalisé. Attention, Lucho qui va mettre énormément de pression en gérant le top et le spawn. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe d'Eknight qui revient à présent au contact de cette équipe des NL eSports. Pour le moment, rien n'est joué entre ces deux équipes, NL eSports contre Knight. Les joueurs de cette équipe des NL eSports qui s'emparent des last points, et à présent nous allons devoir partir à la rotation avec le petit boost d'armure qui a été pris encore une fois pour les 3 derniers joueurs, plus que 2 avec le boost d'armure du côté de cette équipe DNL eSports. On s'est emparé de quelques points poubelles du côté de cette équipe avec Edu. On a quelques points d'avance du côté de cette équipe DNL. Attention, les joueurs d'Eknight qui semblent avoir loupé le coche dans cette fin de carte face à leurs adversaires, peut-être avec les joueurs DNL pour aller chercher et remporter ce point stratégique. On est en train de prendre les kills avec Fizine. Oh my god, Fizine pour le triple kill. Fizine qui a fini cette équipe d'Eknight, et ça fait donc 1-0 pour les joueurs d'Eknight, des NL, face aux joueurs d'Eknight. Mais quelle performance de la part des joueurs d'NL qui ont su rapidement se mettre à l'ouvrage et faire la différence face à leurs adversaires. Mais quel match! Mais quel match! Quel match entre ces deux équipes et quelle performance du côté des joueurs d'NL eSports! On revoit Lucho, hein, le travail de ligne de l'ICR, gros travail de shoot de sa part qui permet en tout cas à son équipe de remporter cette... Non, ils n'ont pas réussi à remporter cette première carte, même s'il a fait un gros travail
face à ses adversaires. Ça n'a pas fonctionné en tout cas du côté de Lucho. Et on va essayer en tout cas de faire la différence sur la prochaine carte du côté des joueurs des Knights. On revient sur bien sûr la petite POV d'attente avec cette recherche et destruction qui va avoir lieu sur Frequency. Frequency, ça va être une carte complètement folle. Les deux mêmes games, c'est exactement pareil, je suis totalement d'accord avec toi. C'était exactement pareil avec ces deux cartes. Ces deux cartes étaient complètement folles. Même si on n'en a eu qu'une concrètement. Et pour le moment, ça fait un 0. Un 0 pour NL eSport. On attend peut-être les petits retours. Je donne avis pour le moment. On va partir sur une recherche et destruction Frequency. Frequency entre ces deux équipes en tout cas. 1 à 0 pour le moment. Pour cette équipe justement des NL eSports qui sont imposés de la plus belle des manières. Avec une belle remontada. Ils ont su organiser leur équipe et bien sûr s'en sortir. Parfaitement bien. Parfaitement négocié ce point stratégique. Ce qui leur a permis en tout cas de faire la différence dans ce match. Regarde un peu les petits messages. On va voir sur le stream. Pas énormément de messages sur le chat. Hein. Vous n'êtes pas très nombreux ce soir sur le chat. Ça fait bizarre qu'on passe de 250 à 30. Oh, ça fait un peu bizarre. Mais du coup. On va attendre pour cette recherche et destruction d'avoir quelques infos pour ce match. Normalement, c'est good. C'est good. Normalement, on devrait lancer dans quelques petites secondes du côté des joueurs d'AML. En plus, il est 1h du matin, 1h30. C'est Tendax du Tempax. Hein. Je vais pas vous cacher. Et du coup. Alors. C'est good pour moi, il y a aucun souci. Ne vous en faites pas. Voilà, on rappelle au niveau des subscribers, on est quand même à 65 sur 75, ce qui fait très très plaisir en tout cas. Très très plaisir. On espère que ces streams vous plaisent sur la scène sud-américaine. J'espère que ça vous plaît et que vous êtes très agréablement surpris et content de voir un maximum de monde chaque soir pour voir ce match. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. En tout cas, au niveau des matchs, ne vous en faites pas, on essaie d'avoir un maximum d'informations. Et du coup, on va lancer cette recherche et destruction à présent sur cette carte. Et donc, ce sera Frequency en recherche et destruction qui va pouvoir l'emporter dans ce match. Est-ce que les joueurs des NL eSports vont pouvoir faire le break ou à moins d'assister à un partout et un retour en grâce de cette équipe des Knights qui a manqué de lucidité dans cette fin de carte et dans ce fin de point stratégique. Frequency, c'est maintenant, c'est tout de suite. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat, NL ou Knight. Le sort en est jeté. Attention, attention. On est dans les starting blocks, on choisit bien sûr son petit spécialiste, l'armure. Et toutes ces spécialités, on va dire, de ces personnages pour peut-être faire la différence dans cette recherche et destruction avec les joueurs des NL toujours en rouge sur votre gauche et les joueurs des Knights en bleu sur votre droite. On va essayer d'agresser au niveau de ce middle card du côté de cette équipe des NL. Peut-être pour faire la différence et pour faire le break rapidement sur son adversaire. Hein, qu'il a été pris de part et d'autre, Rémi a réussi à faire tomber Vince. Mais être tombé sous les balles de Edu, situation de 4v4, phase offensive annihilée. Du côté de cette équipe DNL, on a décidé de changer de stratégie. Défendre très très bas, attention on bug pas mal hein, du côté de Ninja. Ninja qui a quelques soucis de connexion. Le joueur de cette équipe DNL malheureusement pour lui.
la différence et pour faire le break rapidement sur son adversaire. Hein, qu'il est posé par, par Fizine. Midrange avec, avec ce Malox sur Lucio. Il va aller faire tomber un deuxième adversaire, c'est mort là. Il va essayer de rusher. Ah, c'est des rushs assez bêtes. On n'a plus qu'un joueur, on n'a plus qu'un joueur, on n'a plus que Sweets. Sweets qui attend au niveau de ce middle. Il va réussir à prendre le premier kill sur son adversaire. Bombe amorcée en plus. Ça me paraît compliqué hein, du côté de Sweets. On a pris l'information du côté de Hustler et on va réussir à le faire tomber du côté de Hustler et cette équipe DNL qui vient remporter cette first manche. Pour les joueurs DNL eSport qui sont en train à présent de dérouler, qui veulent impérativement faire la différence, qui veulent impérativement faire la différence et montrer c'est qu'il est patron dans cette scène sud-américaine et qu'il ne laisse aucun espace à la concurrence. Je pense que c'est très judicieux de leur part de vraiment montrer de quoi ils sont capables et de dire non non y a aucune possibilité de nous renverser. Du côté de cette équipe DNL, on a décidé de montrer tout ceci ce soir face à cette équipe d'Eknight, hein, les joueurs d'Eknight. Ils vont essayer de mettre de la pression à présent. Le premier qui a été préparé va axer sur Fizine, on est en train d'accélérer au niveau de ce BBB. Attends, là. La pause. De la part de Mordor, Mordor qui est complètement weak, il vient tomber sous les balles de ninja. Aïe, mauvaise pause. De la part de Mordor, il est tombé sous les balles de ninja. Trade up également. Cette pression de 2v2. À présent, car Hustler a pris le meilleur sur Sweet. Attention, Evax qui va prendre le temps de régénérer un peu sa vie. Lucho a réussi à amorcer cette bombe. Hustler qui se retrouve à présent tout seul en situation de 1v2. Ça me paraît compliqué du côté d'Hustler, peut-être pour s'en sortir. Et aller chercher ses adversaires. Hustler, au niveau de ce middle card. En 4-0, Hustler il peut jouer, hein, il peut très bien jouer cette district. Il peut très bien jouer cette district. En face de lui, il a Revax. Mais il a aussi Lucho. Lucho, on connaît des énormes capacités. Lucho hein, qui est amorcé au passage. Si on a pris l'information sur celui-ci, il y a Lucho qui vient chercher le trade kill. Il fallait agresser du côté de Hustler. Il a décidé de ne pas jouer ses kills strict et vraiment d'aller essayer de piquer les kills à ses adversaires. Mais ça n'a pas fonctionné en tout cas de sa part. Travail de ligne de la part de Hustler. Parfaitement négocié en tout cas de sa part. Dans un premier temps, mais aussi dans un second. Il était très très bien en place à la ligne avec son ICR. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il les amis? Les joueurs DNL qui se font rattraper et qui retour de cette équipe d'Eknight, un partout, rien n'est joué dans cette recherche et destruction, rien n'est joué. Rémi, Twits qui sont en train d'enchaîner à présent du côté de cette équipe d'Eknight. On a été très très vite en besogne, Hustler qui se retrouve complètement seul à présent. Il va réussir tout de même à prendre un kill Hustler. Le second va être en duel, oh le duel remporté par Lucho, il vaut de l'or celui-là. Duel remporté par Lucho, permettant à cette équipe d'Eknight de prendre l'avantage dans cette recherche et destruction et de mener à présent sur le score de 2-1. Grosse erreur tactique du côté de cette équipe DNL. Ils ont voulu agresser très très vite. Ça n'a pas fonctionné. Aïe. Grosse agressivité défensive aussi de la part de Rémi. On était en place sur ce BPA, on a laissé free le BPB. Choix payant en tout cas de leur part. Et quel game encore une fois de la part de Rémi. Hein. Rémi qui nous épatera toujours. Quelle performance individuelle de sa part. On va essayer en tout cas de se mettre en place du côté de Rémi et de ses partenaires. Peut-être pour faire la différence. Rémi qui est en train d'attendre hein, bien sûr le push adverse. Mais pour le moment qui ne viendra pas. On s'est fait surprendre tout à l'heure du côté de cette équipe. Alors qu'il y a quelques soucis de connexion visiblement. Aïe. Connexion aussi du côté de Rémi. Oula. Deux soucis de connexion. Et du coup, on va se mettre en place peut-être. Rémi, ça a l'air d'être réglé. Et Mordor aussi. Bon, visiblement, on avait quelques soucis de connexion du côté de ces deux joueurs. Ça a été réglé. On va partir agresser ce BPB du côté de cette équipe. Et NL.
Ah, et Rémi, oh là, Rémi il bug énormément, je crois. Il a pas mal de soucis de co. Situation à 2-3v4 en défaveur de cette équipe d'Ignite, hein, qui doit résister à présent. Ils avaient parfaitement réalisé le break, ils avaient parfaitement bien joué également. Bon, alors qu'il va réussir à prendre le meilleur sur son Rossler, on va agresser en bas mid. Ninja qui a réussi à prendre le kill. Aïe, on a voulu aller le trade. Rémi a réussi à prendre un kill sur Edu. On va essayer d'aller chercher, de chasser du côté de Lucho. Lucho qui va réussir à chasser Ninja avec ce premier kill. Et là ils ont. Ah, ils ont trop tergiversé. Ils ont trop tergiversé. Et du coup ça fait deux partout. Ça fait deux partout. Il était en infériorité numérique, hein, Fizine. Il a plutôt bien joué, Fizine. Let's go. Salut à toi, Nino. Et pour le moment deux partout. Des breaks réalisés par cette équipe DNL au culot, au talent, on va dire, de la part de Fizine, qui a réussi à rester en vie face à cette équipe d'Ignite. Mais quel match complètement dingue entre ces deux équipes, un match ultra serré. Et les joueurs de cette équipe DNL qui vont repartir en phase offensive. Voilà, ils jouent bien AK. Ils jouent bien AK. On va essayer de partir agresser ce BPB. Tout à l'heure, ce BPA avait été très compliqué du côté des joueurs DNL. Les petites armées, bien sûr. Le kill réalisé par Osler directement, c'est trade à part Switz. Lucho qui va réussir à prendre le Mercenary. Ninja, on est en train d'enchaîner après. Pas assez le top mid du côté de Fizine pour faire tomber Rémi. Situation à présent 3v3. La grosse agressivité proposée par Switz en bas mid. Raid directement trade par Edu. On est en train d'enchaîner à présent. Situation de 2v2. On va essayer de faire la différence du côté de Lucho et de Rayvax face à Vince et Edu. BPA agressé. Énormément de bruit au niveau du BPB. Après, ensuite, on a reculé au niveau de ce BPA et Vince. Il va essayer de prendre un maximum d'informations. Il les a pas vu passer sur son côté gauche. Aïe. Oh, le bon timing. Il va avoir le bon timing, je crois. Oh là là, il va tomber sous les balles de Lucho. Duel de Edu, peut-être pour faire la différence. Edu, le duel. Oh. Edu, il a pris un punch. Il a fait I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Non, là, ça va tranquille. Ça va tranquille. Ça va, la forme, la forme. Ah, sauf que ça fait un peu bizarre, quoi. Quand on passe, on va dire, d'un dimanche soir où on tourne à 150 viewers et qu'on arrive le mardi soir et on a 23 viewers, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais ça, non, ouais, ça va. Surtout qu'on rush le truc du partenaire, quoi. C'est un peu compliqué. Enfin, une vingtaine de viewers, mais bon, on va prendre ça avec le sourire. Et let's go, hein. Let's go, de toute façon, on est là pour kiffer. Situation de 3-2 en faveur des joueurs de cette équipe d'Ignite qui sont en train de continuer à dynamiser leur jeu, en tout cas, et de faire la différence. Je sais pas du tout à quel moment il est expulsé sur la lune, hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles, je vois vraiment pas du tout. C'était exceptionnel, hein, juste ça. Et du coup, les joueurs d'Ignite, hein, qui semblent avoir pris possession au niveau de ce BPB, mais Edu vient pas aller chercher le kill sur Rémi. Non, il le voit pas de cet œil du tout, Edu. On est en train d'agresser le top. Attention, ça va très vite du côté de Swiss. Peut-être envoyer quelques petits dégâts dans le visage de l'adversaire, mais pour le moment, aïe, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Et Vince. Vince encore une fois d'un seul homme qui viendra faire la différence pour revenir à 3 partout. On a l'impression que justement ces joueurs de cette équipe des NL Esports, ils arrivent clairement à faire la différence rapidement et individuellement. Oh là, oh, Reska carrément. À ce temps là on a Reska, on a du Reska à ce temps là les gars, il faut... C'est incroyable. On va pas se le cacher. Et du coup, hein, on revoit le moins 3 de la part de Vince. Un petit commando, un petit tout tap. Et puis enchaînement, le dernier one shot. Et du coup, Vince vient clôturer les débats, en tout cas pour permettre à cette équipe DNL Esports de revenir à 3 partout. Donc leur permettant de se relancer dans cette recherche et destruction et de ne pas se faire break face à leurs adversaires. Tu fais la samba ce soir? Non, c'est 200 personnes on a dit pour la samba. Donc on est très très loin ce soir. Mais ouais, on comprend pas pourquoi il y a si peu de monde en fait. Il y a pour le moment Osler à la ligne. Travail de Fizine, hein, gros travail de la part de cette équipe DNL avec Ninja qui vient prendre l'open sur Rémi. D'entrée de jeu, Lucho qui prendra le meilleur sur Fizine. Situation de 4v4, on a pris possession de ce BPB, on a vraiment pris des énormes informations en tout cas. Et oh, merci à toi Reska qui offre encore une fois un petit sub.
Ça fait toujours plaisir, frérot. Situation de 3v3. Les joueurs d'NL, on le rappelle, ils sont en phase offensive, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont bien en phase offensive, ils sont en possession du BPA. Ils ont pris un premier kill là avec Vince, directement tombant sous les balles de son adversaire. Attention, situation de 1v1, c'est Edu. Edu qui remporte son 1v2. Parfaitement négocié de la part du joueur de cette équipe d'NL qui reprennent l'avantage dans ce match. Attention, attention mesdames et messieurs, rien n'est joué dans ce match opposant les joueurs d'NL aux joueurs d'Ignite qui va l'emporter pour le moment 1-0 en faveur des joueurs d'NL, mais rien n'est joué en termes de scoring. Les joueurs de cette équipe des Ignite n'ont pas dit leur dernier mot, ne vous en faites pas. Attention, attention, les joueurs de cette équipe des Ignite qui vont pouvoir partir à présent en phase offensive pour peut-être revenir en situation de 4 partout. Agressivité au niveau du middle, ça peut aller très très vite, ça peut aller soit B soit A. Après ça va très très vite, on agresse, aïe, mauvais timing pour Rémi. situation compliquée, mais attention, situation également de 3v3, cette attaque brouillonne a complètement déstabilisé cette défense NL. On a complètement scindé la défense en deux avec le joueur numéro 5, on voit Vince, il est au niveau de ce P1, voilà, il a pris l'information. Il a vu son adversaire. Il a vu son adversaire Vince. C'est son adversaire est dans cette bombe. Mordor le sait aussi. Il joue un peu l'un avec l'autre. On est en train d'agresser le top ici. On va agresser le grand bac hein, du côté du joueur numéro 1, du joueur numéro 4, c'est Fizzin. Et du qui sont en train d'essayer d'agresser le top. Oh là là, du côté de Fizzin a pris le premier kill. On va essayer d'agresser le top. Oh, Vince qui va rester en vie, on ne sait par quel miracle. Il va réussir à prendre le kill sur son adversaire. Mordor peut-être pour faire la différence. Il va arriver au niveau du grand bac. Peut-être pour prendre un kill ou deux sur ses adversaires. On a été désamorcé, peut-être le double kill, non ça ne fonctionnera pas. Ils vont réussir à désamorcer ces joueurs des NL à présent pour peut-être aller s'imposer dans ce match. Les joueurs des NL eSport qui vont mener sur le score de 5-3, toujours au bon moment, avec des petits poulets un peu partout réalisés par cette équipe des NL eSport. Aïe 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 aïe. Du côté de cette équipe des NL eSport, on est en train de faire la différence à présent. Fizzin hein, qui a attendu parfaitement bien négocié tout ceci. Aïe aïe aïe, je sais pas clairement ce qui se passe dans la tête des joueurs d'Ignite. On sait que ça peut faire la différence à tout moment, ça peut aller très très vite d'un côté ou de l'autre. Mais les joueurs d'Ignite, on a l'impression que toujours ils lâchent au pire moment pour eux. Et Osler et ses coéquipiers en profitent pour prendre la poudre d'escampette hein, sur ce scoring. Les deux équipes, on les voit, ils se répondent du tac au tac. Et par la suite, paf, il y a un truc qui lâche du côté de cette équipe d'Ignite. Et malheureusement, voilà, ces joueurs des NL, il faut pas leur laisser un seul espace. Parce que voilà, c'est une équipe qui a d'énormes qualités, même si là, ils se font un peu surprendre au niveau du middle. On a pris un peu trop de temps du côté de Hustler au travail de ligne. Et on n'a pas réussi à agresser assez vite l'adversaire. Et Rémi, Sweets et Lucho ne demandent que ça en tout cas. Leur laisser quelque peu de l'espace. Et là ça va travailler du côté de Vince et de ses coéquipiers. On va essayer d'aller chercher Sweets. Sweets qui est bien en place. Sweets pour le double kill. Peut-être au moins 3. Non, il tombera sous le balle de ninja cette fois. Les situations de 1v2 en défaveur du joueur de cette équipe DNL. Il va essayer de s'enfuir en tout cas. Prendre le temps de recharger les armes. Et bien attendu du côté de Rémi. C'est très très bien joué de la part de Rémi. D'attendre son adversaire. Il a offert 54 abonnements à Reska quand même. Il est on fire. Il est vraiment on fire. Et on revoit le moins 2 de la part de Sweets qui a fait un gros travail au niveau de cette falaise. Permettant à lui et ses coéquipiers en tout cas de s'en sortir. Aïe 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 aïe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs d'Ignite? Mettre un petit en dessous. Hop là. Il est dur qui vient prendre le kill sur Rémi, mais c'est directement trade par Mordor. Situation de super hot animate en faveur des joueurs d'Ignite qui semblent avoir peut-être envie d'aller s'offrir d'une manche Eleven. Ils ont envie de s'offrir la manche Eleven, hein, nos camarades Ignite, situation de 2v3.
En défaveur des joueurs DNL, la bonne phase offensive bien manœuvrée au niveau de ce BPB, on a décidé de reculer, c'est plutôt bien joué, on a le joueur numéro 7 qui est tout au fond. Et le 10 et 9 qui sont en train de jouer avec leurs adversaires, Sweets et Irabax, hein, qui vont tenter de gagner de précieuses secondes. Attention à cette stun. Ils sont en train d'agresser en plus. Premier kill pris par Hustler. Irabax prendra le meilleur survie, sur son timing pour Irabax, il va prendre un second kill. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe d'Ignite. Et à présent, 5 partout, manche Eleven. Manche Eleven entre ces deux équipes. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des NL Esports qui sont fait un peu surprendre par l'agressivité proposée par cette équipe d'Ignite à présent. Et on va essayer encore une fois de faire la différence cette fois du côté des joueurs d'Ignite. On est en phase offensive. On a la stun, la para, la grenade, pardon. Oula, énormément de grenades qui peuvent faire du dégât. Avec Rémi et Morlock qui vont faire la différence d'entrée de jeu. Oh là là, le Joe qui va prendre le kill. Ça tourne très très mal pour cette équipe des NL Esports. Et du Ephizine peut-être pour s'en sortir. Pour faire le 2v5, ils vont poser. On va mettre quelques balles du côté physique. On va attendre le push adverse. Le premier kill. Peut-être le second. Non, Mordor prendra les kills avec Revax. Et c'en est terminé de cette seconde carte. Et quelle remontada du côté de cette équipe d'Ignite qui va s'imposer et revenir un partout dans ce match. Un partout. On a cru au 2-0. On y a cru jusqu'au bout pour les joueurs d'NL Esports. Mais ce sont bien les joueurs d'Ignite qui reviennent au contact de leurs adversaires. Qui reviennent au contact. Attention mesdames et messieurs, on va assister à un contrôle. Un contrôle qui peut permettre de départager l'une ou l'autre de ces deux équipes. N'hésitez pas à partager le stream aussi au passage. Sur le chat. Je vous mets un petit link. Je vous le spam un peu. Tac, comme ça c'est nickel. N'hésitez pas à partager le stream pour encourager bien sûr votre équipe préférée. Entre ces deux équipes, NL, eSport ou Knight. Pour le moment, on a un score de 1 partout entre ces deux équipes. N'hésitez pas, les encourager. Pour le moment, mais quel scénario. En tout cas, merci à toi aussi au passage Reska d'avoir offert ce petit sub. On va donc lancer un contrôle qui va se jouer sur Seaside. Entre ces deux équipes. J'arrête pas de... Excusez-moi, j'ai pas mal de chats dans la gorge. Et attention mesdames et messieurs, attention mesdames et messieurs. Maintenant Seaside, qui va aller chercher ce contrôle sur Seaside entre ces deux équipes, les NL ou les joueurs d'Ignite? Ça me paraît compliqué. Mais ça peut réagir, ça peut faire la différence en tout cas. Dans ce match opposant ces deux équipes, rien n'est joué en tout cas, rien n'est joué. Et on va donc partir sur ce contrôle entre les joueurs DNL et les joueurs d'Ignite qui va prendre avantage dans ce match. Le sort en est jeté. Le sort en est jeté en tout cas. Choix des armures bien sûr entre ces deux équipes. On essaie de partager un maximum hein, le stream. Les joueurs DNL toujours sur votre gauche avec Fizinoslore, Ninja, Ilu et Vince. Là, ce joueur d'Ignite en bleu est sur votre droite avec Morlock qui va directement mettre son grappin pour arriver très très vite au niveau de ce middle. Mais ses coéquipiers tomberont un à un, lui également. Et là, ça va être très compliqué parce qu'on a 5 joueurs qui sont en place, qui sont focus sur ce BPB. Ça peut aller très très vite. Ils sont focus ce BPB, récupérer rapidement ses points. Pour le moment, on a quasiment récupéré le deuxième tir. Revax va réaliser un double kill. C'est compliqué, même si là on réalise un très bon 1-3 du côté de Sweets et de Mordor. Bien parfaitement négocié. Revax s'est un peu jeté dans la bataille assez bêtement, je trouvais. Les deux premiers tirs récupérés au niveau de cette zone. Au niveau, bien sûr, de cette terrasse pour cette équipe des Ignite. Arriver très très vite, changement de stratégie, on partira sur ce BPA du côté des joueurs d'NL. Ça n'a pas très bien fonctionné car on s'est rapidement mis à l'ouvrage.
Il va réussir à prendre un kill, mais c'est directement trade par mort. On a pas réussi à s'emparer du premier tiers sur cette zone A. Du coup on va la focus avec un joueur sûrement pour la faire réduire et partir attaquer le BPB, mais on s'y attend du côté de Lucho avec Sakaen, on joue avec Sakaen. Et au niveau de ce point. Pardon, j'ai un énorme chaud dans la gorge, je vais pas vous le cacher. On essaye de la focus hein, du côté de Fizzin et de ses coéquipiers. On sait que ça va venir au niveau du stairs. On a pris un maximum d'informations. Et on voit un ninja, il prend un maximum d'informations également. Quel kill de la part de Fizzin. Encore une fois, au niveau de ce front, Rémi Caris, il a tout de même à prendre un kill. On va push directement. Sweet se retrouve complètement seul. Attention, on est en train d'essayer de reculer à présent du côté de cette équipe des Knights. En termes de vie, avantage en faveur de cette équipe des NLE Sports. Attention à ne pas se faire spawn kill du côté des joueurs des Knights. C'est bien joué de la part de Sweet. Gros travail au niveau du spawn. Et du côté de Ninja et de ses partenaires, on a décidé de stack un peu ce BPA. On est en place, on n'a plus le droit à l'erreur du côté de cette équipe des Knights. À présent, on a pris un kill. Et c'est directement trade, pareil du, on s'accompagne bien, c'est très bien joué de la part de Edu qui va très très haut sur la carte. Non. Il va pas vous dire que là j'ai un putain de un gros chat dans la gorge, pardon. Et cette équipe des NL Esports hein, qui a prouvé, qui a été capable de faire de belles choses en phase offensive, très agressive pour aller chercher leurs adversaires. Dans ce point stratégique, encore une fois, une énorme agressivité au niveau de ce BPA, on a vu encore une fois avec Morde qui a fait une très très belle défense. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour le moment pour cette équipe des Knights. Qui va tenter en tout cas de faire aussi bien que leurs adversaires dans cette phase offensive. Et bien sûr de rentrer dans le mental de leurs adversaires. Et ses partenaires vont partir attaquer ce BPB. Ah, ils ont ses réflexes, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils sont vraiment des petits monstres. Ils sont vraiment très très bons, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Gros travail d'agressivité aussi proposé par l'équipe DNL. On utilise l'équipe strict à abonner sur du côté de l'Osper avec ce très bon double kill. Là on part chercher du côté de Vince et du côté de Fizzin. Très très haut, très bon travail. Et là ça paye pas du côté de Fizzin. On a pris qu'un kill en termes de slaying, mais donc faire gaffe, on a gagné quelques précieuses secondes. Border, il va prendre le kill. Assisté de Revax pour prendre le meilleur sur Osler. Je suis mal comme un chien, ça fait doux. Et là on est en train d'agresser côté de Fizzin. Et du côté de Edu, ça peut fonctionner peut-être. Le moins 3, Revax va répondre présent encore une fois. Tiens, attends, le premier kill, le second, pas le troisième. Osler arrivera. La troisième lame. Oh là, mais quel moins 3 de la part de Osler. On va trade. On va prendre un kill du côté de Morde, mais c'est directement trade par Edu. C'est compliqué, il reste une trentaine de secondes pour s'emparer de ce BP du côté de cette équipe des Knights pour aller chercher leurs adversaires. Mais pour le moment, ce point stratégique, ce contrôle est en train de tourner à l'avantage de cette équipe DNL. Et on voit, on va essayer de passer avec le joueur numéro 8. Le joueur numéro 8, il va avoir une importance capitale. Est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce qu'il va avoir le temps, le joueur numéro 8? Allez, ouais, il va avoir le temps de mettre du contest. Sur ce BPA, ouh, attention. Aïe, c'est dommage. On va rester sur le BPA, mon perso. Ah, c'est plutôt bien joué, on a 2 sur ce BPA, on gagne des précieuses secondes. Non, c'est pas de ce côté-là, On a besoin de toi de l'autre côté, Rémi. On a besoin de toi de l'autre côté. Très bon timing aussi, hein, au passage. C'est des joueurs qui jouent beaucoup sur le timing, sur l'intelligence de jeu. Même si là, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à rentrer sur la zone, malheureusement, et ça fait donc 2 à 0 en faveur de cette équipe DNL Esports. On continue à imprimer une dynamique de fer dans ce match. Et du coup, on va essayer de faire la différence. On va essayer de faire la différence encore une fois. Aïe. Comment va-t-on réagir? On a encore un key strict hein, du côté d'Osler et c'est justement le foudroiement. C'est peut-être regarde un peu la tablette du côté de Osler.
pour essayer de prendre des informations sur les adversaires. Prendre les ping en tout cas. Petit boost avec le crash. Je vais faire du mettre hein, du côté de Hustler, il a pas fonctionné. Au moins 5, maintenant on va prendre le temps de mettre le boost. Voilà. Le petit système trophy, je pense qu'il devrait être assez intéressant au niveau du fronta. pour faire la différence du côté de cette équipe BNL. Pour montrer une énorme présence. Bah, devant le BPB, je suis pas sûr parce qu'on va pas forcément rester sur le BPB très longtemps. Je pense pas que c'était la meilleure solution. On est vraiment très très loin du côté de cette équipe des Knights. Et pour le moment, en termes de vie, on est largement devant. Mais attention, ce BPB est toujours très compliqué de manœuvrer. On s'accompagne bien, on est bien en équipe du côté de BNL. Je suis pas sûr qu'on arrive à résister du côté de cette équipe des Knights pour le moment. Énormément d'agressivité proposée par les joueurs d'NL, mais on va pas confondre vitesse et précipitation. Hustler qui prendra un kill important. Là ça sera bien. On trade directement. Hustler qui va venir assister et essayer de rentrer sur ce BP. De l'agressivité, il tombera sur les balles de Sweet 5 qui a été radical en termes de shoot. Mais directement ses trades bien accompagné du côté de Fizzle. On va attendre, on va prendre le temps de régène également au niveau défensif de cette équipe des Knights. Sur des BO5, hein, sur des BO5 bien sûr. Bah, c'est top, mais Fizzle était en place avec un très bon double kill. Attention, oh là là, le réflexe de la part de Fizzle encore une fois. De Ninja, pardon. Ninja, un joueur très prometteur de cette équipe BNL. BNL hein, bien sûr qui fait partie du top 3 sud-américain et en termes de slay, c'est largement dessus, ça gère les spawns de très belles bannières. On est en situation de 16-4. Voilà, Rayvax qui va faire le travail défensif avec un moins 2, peut-être le moins 3. Non, c'est pas ta Rayvax, le moins 3 défensif, c'est plutôt bien joué de sa part, situation de 3v13 à présent. Ça m'étonnerait qu'il le réalise, mais tout de même. Le Gravity claqué, Lucho se retrouve complètement seul à présent, il est au top. Il essaie de prendre tout le monde. Il va prendre tout de même le premier kill. Le second de la part de Lucho. Le troisième. Le quatrième. Non, c'est bon, on va le calmer, calme-toi Lucho. Et Fizzle va venir le terminer et ça va permettre à cette équipe DNL Esport de remporter cette carte. Et donc de remporter sur un score de 3-0 assez sec. Et de prendre l'avantage dans ce match, de reprendre l'avantage en tout cas dans ce match et de mener sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Knights. Ça aurait pu très bien être un 3-0 dans le BO, mais les joueurs des Knights ne le voient pas de ses deuil. On voit qu'ils ont une très bonne prestance hein, ces joueurs des Knights, surtout très agressifs et très bien en place. Dans la recherche et destruction, ils lâchent absolument rien, ils peuvent aller jusqu'au bout. Et ils donnent absolument tout. Et c'est ça qui est assez intéressant avec cette équipe des Knights, hein. C'est vraiment toujours très intéressant. Et donc, du coup, on va partir à présent sur le nouveau mode de jeu et la nouvelle carte. Qui sera donc un point stratégique sur Gridlock. Un point stratégique sur Gridlock. Entre les joueurs des NL Esports et les joueurs des Knights. Pour le moment, 2-1-1 en faveur des joueurs des NL Esports. On va devoir tout donner du côté de cette équipe des Knights. Et on a vu des cartes pour le moment assez serrées. À part peut-être cette dernière carte, un 3-0 en contrôle. Bonne manœuvre du côté des joueurs des NL qui ont plus l'habitude de ce mode de jeu que leurs adversaires. Donc du coup maintenant il va falloir tout donner du côté des joueurs des Knights si on veut aller s'imposer. Et revenir justement au contact de cette équipe DNL. Pour pouvoir, pourquoi pas, encore une fois espérer dans une SND, une last carte comme payload. Pourquoi pas, hâte de voir en tout cas justement ce qui va pouvoir se passer dans ce point stratégique. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Gridlock en point stratégique entre ces deux équipes. C'est parti, à présent, entre ces deux line-up. Là, comme vous avez pu le voir, je suis quelque peu malade. Ça peut arriver mais au meilleur hein, les gars. Donc du coup point stratégie Gridlock entre ces deux équipes. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, un petit toast qui fait toujours plaisir. Lâchez également un petit sub qui nous permettra de nous rapprocher du Twitch partner en tout cas. En tout cas ça fait énormément de bien.
pas se le cacher. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes, NL Esport contre Knights, point stratégique sur Gridlock. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des NL. Et thanks for your follow, Nino. Vous avez déjà suivi la chaîne, je crois. En tout cas, ça fait énormément de bien. On va pas se le cacher. On est en train de se mettre en place au niveau de ce P1. Ils sont en train de bien manœuvrer. Sweets et Rémi enchaîneront bien l'équipe à présent. Mais est-ce que cette équipe, justement, des Knights n'a pas pris un coup sur la tête après ce contrôle? Solide en termes de ligne et des joueurs comme Mucho, on est influence capitale sur le jeu. Et voilà l'influence capitale de joueurs comme Mucho, mais comme Sweets aussi, qui vient remplacer Faxes. C'est des joueurs qui ont de très très bonnes capacités, de très bons duels. Et on pourra s'emparer de quelques points poubelles. Et attention, on n'est pas du tout en place du côté des joueurs des NL. Le point, mais voilà, on n'a pas la gestion du spawn. Gros travail de la part de 4 joueurs de cette équipe des Knights pour s'emparer du spawn. On va arriver très très vite au niveau de ce point, mais attention, on voit comme sur la mini carte, on a 3 joueurs. 1, 3, 5 on the back pour cette équipe des NL. On est en train d'arriver en surnombre. Attention, Edu, il vient prendre le premier kill. On va continuer à enchaîner à présent du côté de cette équipe des Knights. En mettant de l'agressivité au niveau du front, préparant peut-être une rotation également. Ouais, Vince et ses coéquipiers l'ont bien compris qu'il fallait laisser tomber ce P2 pour se concentrer à présent sur une rotation P3, faire une très très belle rotation P3. Et se montrer en tout cas très solide. Travail encore une fois de la part de Hustler pour prendre le meilleur sur Sweets. Bien en place pour le moment les joueurs de cette équipe BNL Esport à la rotation. 6 points d'écart entre ces deux line-up. Du côté de Morale, on a réussi à prendre encore une fois un kill. De bien jouer avec Sasuke qui va prendre le meilleur sur Vince. Il va peut-être agresser, peut-être moins de noms. C'est Edu et Fizin qui vont répondre présent. Edu restera seul en vie. Il tombera sous les balles de Revax. Encore une fois, très très solide. Joueur de cette équipe des Knights. Ils sont à la manœuvre à présent. Au niveau de ce P3. On veut se charger du scoring. On se positionne au niveau du carré. On va essayer de mettre de l'agressivité sur les douches de Revax. Faire le mauvais TK et malheureusement ça va leur coûter cher, ça va leur coûter le point du côté des joueurs de cette équipe d'Ignite. On va arriver au niveau du front du côté de Rémi et de ses partenaires. Rémi tombera sur les balles de Vince et gros travail encore une fois de la part de cette équipe des des NL. On s'est un peu jeté du côté de Mauler sur Ninja. On va essayer sûrement d'aller chercher cette rotation, la rotation au niveau de ce P4. Pour le moment les deux équipes sont au coude à coude au niveau de ce point stratégique. Salut à tous et à toutes, qui nous rejoignent sur stream. Salut à toi, Jeko. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Knights et les joueurs de cette équipe des NL sont en train de se livrer un combat sans merci. Pour le moment, avantage en faveur de cette équipe des NL. Pas au niveau de ce point stratégique parce que c'est du kiffi bourrigo. Mais pour le moment, pendant ce BO, ce sont bien les joueurs des NL qui mènent sur le score de 2-1. Ils sont passés à deux doigts de faire un 3-0 aussi. Avec une SND perdue sur le score de 6 à 5. Le premier kill prépare autre chose, second par Rémi, on va essayer d'arriver au niveau du front, gros travail de la part de Mucho, de timing et tout. Ninja prendra le meilleur sur celui-ci, attention Ninja n'est toujours pas tombé au niveau du front, Ninja qui fait un énorme point stratégique, qui est en train de mettre tout le monde dans la besace. Et pour le moment on permettra à son équipe de peut-être de faire la différence. Et pour le moment ce P4 totalement à la manœuvre pour cette équipe Ignite. Et encore une fois on enchaîne avec le top. Voilà le top a bien manœuvré du côté de Hustler. Encore une fois Hustler et ses coéquipiers sont en train peut-être d'essayer de mettre un maximum de contest au niveau de ce point. Mais pour le moment c'est Sweets qui va prendre le premier kill sur Fizin. On enchaîne bien le moins 3, parfaitement négocié du côté de cette équipe des Knights. Moins 4 à présent, on va essayer de mettre de l'agressivité. Mais Rémi vient tout de suite faire le flank pour faire tomber le dernier joueur qui n'est autre que Vince. On sait pertinemment que les joueurs de cette équipe DNL sont en train de respawn au niveau du bas, au niveau du côté P2. On va mettre directement du contest, mais le double qui a été sorti, le mot 3. Oh, on enchaîne bien que ce soit d'un côté ou de l'autre. Aïe, on tombera du côté de notre cher camarade Sweets sous les balles de Oslo à la ligne encore une fois. Parfaitement négocié, le shoot radical de la part de Rémi. Il est dans tous les bons pour Rémi pour mettre de l'agressivité avec le moins 2, mais il tombera directement sous les balles de Ninja. On continue d'enchaîner, Mortar. Voilà le punch.
le punch avec des réflexes de folie de la part de notre cher camarade Ninja. Et là on est en train de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P2. Une soixantaine de points d'écart quasiment entre ces deux équipes. Agressivité en masse du côté de cette équipe des Knights au niveau du spawn. On va aller chercher les gunfights hein, du côté de Ninja à présent. Ninja qui est en train de mettre sa performance au collectif. Là, il attend le soutien de ses coéquipiers. On a fait tomber le batterie, c'est plutôt bien joué de la part de Ninja. La petite grenade à fragmentation va être mise. Ninja qui va chercher le kill sur, sur Evac, c'est bien joué de sa part. On va mettre de l'agressivité encore une fois du côté de notre cher camarade Ninja. Ninja qui continue dans sa série folle. Son batterie serait peut-être intéressant à ce moment-là d'être claqué. Aïe, 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 il va, il n'a pas rien faire Ninja, il va tomber sous les balles de Sweets, qui était très très bien placé. On va charger du scoring des last points hein, du côté de cette équipe des Knights peut-être. On va partir sur cette rotation B3 avec pour le moment les joueurs de cette équipe des NL qui font la bonne performance. Sur les rotations, ils ont énormément de rotations à leur avantage, mais pour le moment ils n'arrivent pas à les conserver. Parti agressé sur le côté gauche, la petite pièce est agressée, mais Vince fait un gros gros travail avec un très énorme double kill de la part de Vince encore une fois. Vince hein, qui envoie son Gravity Spike pour prendre le meilleur sur Evax. On sait où respawn les adversaires à présent. C'est au niveau du front, au niveau du côté P2. On s'attend bien et Murder qui va sortir le triple kill avec son Gravity Spike. Le clean of the P3 pour les joueurs de cette équipe des Knights à présent. Qui vont pouvoir s'emparer de ces last points. Et on voit sur la mini carte qu'on va faire le front. On va agresser directement le front en essayant d'aller le plus vite possible au niveau du respawn du côté de Vince et de ses coéquipiers. On est au niveau du top du côté de Vince. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Vite. Oh. Vince qui vient de faire un énorme kill sur son adversaire. Excusez-moi, j'ai complètement m'étouffé. Et là, on sait que ces joueurs des NL ont les capacités de revenir très très vite dans ce match. Face à leurs adversaires. On rappelle que c'est une équipe du top 3. Les joueurs des Knights, je les connaissais pas forcément plus que ça. J'ai eu l'occasion de les découvrir et pour le moment ils sont énormes. Avec des joueurs comme Mordor, Major Mordor qui sait faire la différence à tout moment. Avec encore une fois un double kill de la part de Mordor. Et avec le soutien de ses coéquipiers, ils sont passés au niveau du bac aller en cerclant ce point. Ne laissant aucun espace à leurs adversaires. Et les joueurs des Knights qui semblent aller chercher en tout cas cette nouvelle carte. Et pourquoi pas crapuler dans une map 5. Oh Mordor encore une fois avec son SMG qui nous épate avec une sensibilité complètement folle et un shoot radical de la part pour une SOC, c'est vraiment incroyable. Allez Mordor qui s'est mis un peu trop vite. Oh, manque de communication hein, entre Fizine et de ses coéquipiers. Et à présent quasiment 100 points d'écart entre ces deux line-up. Et Osler ne le voit pas de cet œil, il a décidé de... il faut pas en terminer là dessus. Fizine, hein, Fizine qui est en 7-21. Je pense qu'il a donné. Il a un petit souci, hein, Fizine. 7-21, il nous habitue à beaucoup mieux habituellement. Et ouais, ça se ressent une game en fait. Qu'il manque un joueur du côté de cette équipe des NL. On a un joueur qui est en train de passer à côté. Et quant à Mordor qui est un mort de faim à ce point là, je pense que ça peut pas résister du côté des joueurs des NL. Salut hein, tous ceux qui nous rejoignent sur le stream en tout cas pour voir ce match sud-américain entre les joueurs des NL qui font partie du top 3 sud-américain et les joueurs des Knights. Les joueurs des Knights qui sont vraiment une très très bonne découverte. On va mettre du contest hein, sur ce point, c'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des NL, on ne peut pas en terminer. Mais je pense que bah, la messe est dite dans ce point stratégique, on va devoir aller jouer une carte map 5 entre ces deux équipes. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous voyez un gameplay qualitatif. Et que ce genre de match vous plaît. Oh Rémi Revax avec une sensibilité complètement folle, l'agressivité de ces joueurs, de cette équipe des Knights, a fait complètement exploser la défense NL. Qui n'a absolument rien pu faire. Et donc du coup on va aller jouer une map 5 entre ces deux équipes. Et donc ce sera une recherche et destruction sur Payload mes chers amis. Une SND Payload qui va se jouer dans quelques instants. Et on revoit un Ninja qui avait fait un gros travail au niveau de ce front de bacalé.
Mais ça n'a pas suffi en tout cas pour ces joueurs d'NL. Et encore une fois avec cette équipe des Knight, une map 5. Une map 5. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce que ces joueurs des NL vont réussir à terminer ces joueurs des Knight? Ou les joueurs des Knight vont réussir clairement à faire la différence face à leurs adversaires? Rien n'en est moins sûr, mes chers amis. Rien n'en est moins sûr. Alors, tac. Regardez. Ceci dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver dans quelques instants, on va lancer cette SND sur Payload qui arrive à présent. Alors, j'ai oublié de mettre la petite animation. Alors, tac, je vais mettre. Et on se retrouve cette fois avec la phase offensive de cette équipe des NL eSports. À présent, on va essayer de faire la différence avec Ilu. Morlock qui prendra l'open sur Fizzin. Rémi se suicidera. Vince qui prendra le meilleur sur le Revax sur Osler. Tu as à présent de 3v3. Avec le contrôle du connect, hein, assez peu orthodoxe du côté de cette équipe des NL. Si on est en train de retake. Oh là là. Ouh, il m'a fait peur Vince, hein, là. On va chercher le trade. Lucho à présent, situation de 1v2 face à Vince et Edu. Du côté de Lucho, on s'est fait voir. Ouh là là, Lucho. Lucho s'est un peu trop montré, il est tombé sous le bal de Edu. Et ça fait donc 1-0 du côté de cette équipe DNL eSports. Les joueurs DNL qui démarrent très bien cette recherche et destruction. Malheureusement, on a vu un suicide, hein, qui a coûté cher à cette équipe des Knight. C'est ce genre de move, on va dire, qui peut coûter très très cher en fin de game, en fin de manche. C'est bien de voir d'autres régions jouer. On apprend de nouvelles choses. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et ces deux équipes, sérieusement, c'est vraiment des pépites, hein, je vais pas te le cacher. Si t'as pas eu l'occasion de regarder des matchs sud-américains ou autres, n'hésite pas vraiment, parce qu'on essaie d'en faire aux alentours de minuit, 1h du matin. Assez régulièrement, de plus en plus régulièrement à l'heure actuelle, parce que vraiment on voit des matchs complètement fous et avec des joueurs qui jouent énormément en équipe, et c'est vraiment ça qui fait du bien à l'heure actuelle, vraiment, parce que à l'heure actuelle on dirait que c'est des joueurs individuels, mais le collectif de ces joueurs sud-américains m'étonne vraiment énormément, et c'est vraiment plaisant à voir dans ce genre de match. Et je les recommande vraiment à tous. Je les recommande vraiment à tous, cette scène sud-américaine. Situation de 2v4 à présent. En défaveur de ces joueurs DNL. On prendra tout de même 2 kills, mais on n'aura plus qu'un joueur. Et Edu se retrouve en situation de 1v2. Bombe posée. On a pris les informations du côté d'Edu. On a vu l'adversaire au niveau du top. Et là, on est en train de le faire courir un peu au niveau du temps. Edu, il le sait pertinemment là. On va aller très très vite. Oula, mauvaise prise d'information. Ça peut coûter cher. Non, on va courir après le temps. On va faire courir l'adversaire après le temps du côté de Morolo. Et c'est plutôt bien joué de sa part. Et donc du coup, ça fait un partout. Ça fait un partout entre ces deux équipes. Pour le moment, un gros avantage pour aucune de ces deux équipes. Tout va jouer sur cette recherche et destruction. Ça va jouer à des détails, comme on le sait pertinemment, à une phase de jeu de teamplay, à des stratégies, surtout la recherche et destruction. On sait que le shoot, ils l'ont, les 10 acteurs de ce match. Donc je pense que c'est
C'est vraiment ce genre de scénario qui n'attend. Et moi, je joue pas assez en équipe avec mon équipe Oda. Bah, pas pour l'instant. Pas assez. Comparé à ce genre d'équipe, sans te mentir, pas assez. Je pense pas assez. Je vais pas te cacher, mais pour le moment, attaque, attention, attention, attention. Ouais, grosse agressivité hein, du côté de cette équipe DNL. Et on va se mettre en place au niveau de ce BPB, bonne phase d'agressivité. Attention, on a quand même fait le back hein, du côté de Morole, on va prendre le premier kill. Directement c'est trade à part Fizzing qui est beaucoup mieux dans cette SND que lors du point stratégique précédent. On va prendre le top du côté de Sweets. Ouais, il bat timing pour Sweets. Il tombera directement sous les balles de Vince. Rayvax qui se retrouve à présent en situation de 1v2. Et ça ne suffira pas pour déloger Vince. Encore une fois, très très bien en place, mon cher Vince. Et donc, ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Le joueur DNL continue à conserver le lead de cette recherche et destruction sur Payload. C'est encore une fois bien en place, le bon punch au bon moment pour Vince avec ses quelques balles pour terminer son adversaire. À l'heure actuelle, Arise, attention, on a bien joué notre dernier showmatch quand même. Ouais, je suis d'accord, vous avez bien joué. Après, je pense clairement le niveau n'est pas le même entre la scène sud-américaine et la scène française. La scène sud-américaine et la scène européenne, je vais pas te le cacher que quand je vois ce genre de joueur, moi je me dis mais... Moi, qu'est-ce que je fais là, tu vois, je suis qu'amateur à l'heure actuelle. Et au final, les joueurs, pour moi, c'est des joueurs, la plupart, c'est quasiment des pros. Ils jouent aussi bien que la moitié des pros. Donc c'est pour ça que c'est... Non, il est joueur amateur. Ares est joueur amateur. Mais c'est exactement ça, en fait. Bon, là, manque de communication hein, sur mon order, là. Mais normalement, la prise d'info, Rémi qui a pris le premier kill, c'est directement trade par Elu. Et Ninja qui prend un kill, normalement là ça aurait dû être trade. Et voilà, c'est compliqué. Rayvax est tout seul maintenant. Même si la bombe posée pour lui, là il s'agit d'être solide. Voilà, on regarde tous les endroits, on a pris l'info sur Rayvax. Maintenant on cherche les endroits stratégiques où il pourrait check une bombe. Et donc, du coup nous, on essaie d'aller le plus vite possible pour désamorcer la bombe. Attention, et voilà, là on encercle bien. C'est très bien joué cette stratégie à ce moment là du côté des joueurs des DNL. Pour la simple et bonne raison qu'on a un joueur à la ligne droite, un joueur à la ligne gauche. Et on a le joueur qui désamorce. Donc voilà, à 3 c'est parfaitement négociable et parfaitement facile à jouer. Mais comme on le dit, vraiment pour moi le teamplay c'est déjà c'est 70%. 66%, allez, vas-y, on va vous faire un petit deux tiers, un tiers. Un 66% du travail. Le team play, pour moi, c'est tout. Certes, voilà, les joueurs ils travaillent leur shoot, ils s'exercent à la stratégie, nanani, nanana. Mais si t'as pas de bons coéquipiers avec toi, ça te sert à rien. Et on pense que c'est les coéquipiers qui vont tout faire. Non, il faut trouver les bons coéquipiers pour jouer, pour pouvoir progresser ensemble. Et c'est vraiment ça qui compte à l'heure actuelle. C'est ça qui compte à l'heure actuelle. Le problème dans la scène EU, j'ai l'impression qu'on ne s'exerce pas assez. Voilà, là on a vu que le joueur qui était en train de tirer, c'est Fizzine, il était en train de tirer pour venir couvrir son teammate qui n'est autre que Ninja. Voilà, Ninja il a plus d'informations sur son adversaire. Voilà, et là on va tout de suite venir l'épauler. Mais tous à côté. Comme vous pouvez le voir, il y a Hostler, il y a Ninja. Ninja est venu tout de suite épauler. Hostler avait pris la ligne. Oula, Ninja qui est. Il va prendre le temps de régène tout de même. Hostler a mis accompagné, on se suit bien. Et voilà, le travail fait tout de suite la différence. Même si on a une infériorité numérique du côté des joueurs DNL, on s'est bien accompagné, on s'est bien exercé, on a pu avancer petit à petit. Et on peut conserver ce break largement acquis. 4-1 pour les joueurs DNL qui semblent en passe de s'imposer dans ce showmatch. Mais attention, attention. Et on voit un Ninja, il fait un énorme travail sur ce côté-là. Il va venir tout de suite être épaulé un de ses coéquipiers. Voilà, quand on est plusieurs sur un adversaire, ça fait tout de suite la force et l'adversaire ne sait plus où quel tirer, droite, gauche. C'est quoi que je casse comme niveau là? Pour moi, les NL, c'est une équipe du top 3 sud-américain. Donc, top 3, on peut dire qu'amateur, parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des joueurs peut-être qui sont payés, ça je ne sais pas personnellement. Mais ce sont des joueurs, on va dire, pour moi, qui n'ont pas les moyens d'aller en compétition aux États-Unis pour la simple et bonne raison que on va dire on gagne 400 euros de SMIC là-bas. Avec 400 euros t'es le roi du pétrole. Donc c'est toujours très compliqué je trouve de comparer la scène sud-américaine à la scène française ou la scène européenne comme c'est comme on veut. Mais à l'heure actuelle ouais ils gagnent beaucoup moins, ils ont beaucoup moins d'argent donc automatiquement ils peuvent moins aller faire de grosses compétitions
sur du type CWL ou autre. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup moins ces joueurs. Et je pense qu'avec un peu plus de moyens, ils arriveraient totalement à rivaliser avec de très très belles équipes. Peut-être pas en Pro League, on va pas se le cacher. Mais en CWL, type Open Bracket, je pense que certaines de ces équipes, du type NL à l'heure actuelle, ou même Virtu, il y a Absolute, et il y a aussi Furious. Pour moi, ce sont des organisations avec des rosters très professionnels. Et la plupart des rosters, en fait, ils restent ensemble régulièrement, ou ça split pas dans tous les sens, ça part pas dans tous les sens, comme on a à l'heure actuelle en Europe. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment ça qui est important à l'heure actuelle sur la scène sud-américaine et qui permet d'évoluer à ces équipes. Bon, là, Lucho, il fait une no game. On va pas se cacher, hein, il fait complètement une no game. Comme tout à l'heure, on avait Fizzine dans le point stratégique. Après, ça peut arriver. Et c'est pas pour autant que demain on va voir, il va marquer. Enfin, hein, Lucho. C'est vraiment un travail d'équipe, ils le savent pertinemment et ça se voit énormément au niveau du jeu. Ça se voit énormément au niveau du jeu, ils sont hyper solides, ils s'attendent bien, ils prennent le temps de prendre les informations. Et je pense que c'est clairement ça qui va faire la différence pour leur permettre d'évoluer sur la scène professionnelle dans les années à venir. 3 errants qui sont partis du... Non, mais après voilà, c'est exactement ça en fait, il faut se donner les moyens. Et à l'heure actuelle, la scène sud-américaine n'a pas les moyens financiers, mais a les moyens, je pense, d'intelligence de jeu ou autre. Et comme tu vois sur la scène R6 ou la scène LOL, même Overwatch, que les mecs ils sont vraiment bien en place, ils sont vraiment très solides. Et on voit à l'heure actuelle, tu vois, regarde les NL là, ils viennent de remporter la SND 6-1, la première SND il y a eu 6-5. On cherche l'erreur, tu vois. Et c'est des équipes, c'est vraiment... C'est tout ou rien. J'ai l'impression que les games, en fait, c'est vraiment épatant et c'est vraiment super intéressant de voir ce genre de match. Moi, ça me plaît énormément. J'essaie d'en remettre un maximum sur YouTube. Attends, au pire, c'est quoi? Si tu veux aller check, n'hésite pas à aller check ça. Alors, normalement, il y a une commande qui s'est mise. Peut-être que je l'ai mal écrit aussi. Non, normalement, j'ai une commande, point d'exclamation YouTube. Bon, elle a dû disparaître. Attends, normalement il doit être là. Bon, peut-être que la commande a disparu. Je vais rester avec l'équipe de modération. Voilà, bah check ça au pire. Et du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pendant cette 1h30. Donc, victoire dans ce match pour les joueurs des NL eSports sur le score de 3-2. Magnifique match entre ces deux équipes. Victoire des joueurs des NL sur la last SND. Ça s'est joué vraiment à quelques détails. Oula. Comme Ovan. Alors, purée. Google Trad, ça va être plus facile. Comment allez-vous? Bien. Et donc du coup, merci à tous et à toutes de votre présence. On se retrouvera pour ma part sûrement demain soir pour un nouveau cast, un nouveau match. On en fera peut-être un ou deux, je ne sais pas encore comment on boucle ça. On va essayer de faire ça avec Dylan pour sûrement la dernière soirée du Rush tout partenaire. Et donc du coup, je vous remercie à tous et à toutes de votre présence. Je vais essayer de me soigner parce que la gorge ça gratouille, donc je vais pas vous le cacher. Et puis pour ma part, on se retrouvera demain. C'est exactement ça. Bonne nuit à tous et à toutes, et puis à demain, et bonne fin de CWL, en tout cas à ceux qui regardaient. Bibis!